Aujourd'hui, je vais vous présenter la structure opérationnelle détaillée des technoparks coréens. La structure est divisée en l'opération de l'organisation et celle des ressources humaines. D'abord, l'opération de l'organisation. Qu'est-ce qu'un technoparc en termes légaux C'est une institution établie basée sur la loi sur les cas spéciaux concernant le soutien aux technoparks. Son objectif principal est de relancer l'économie locale et améliorer la compétitivité nationale en regroupant les ressources humaines et matérielles des sociétés, universités et centres de recherche. À cause de sa nature de regrouper des ressources, le technoparc et la notion de clustering sont souvent utilisés ensemble. C'est-à-dire que le technoparc comprend la notion de clustering et regroupe géographiquement et physiquement les écosystèmes industriels sur la chaîne de valeur. À cet égard. En regroupant l'intelligence collective de ces acteurs d'innovation, le technoparc joue le rôle majeur de relancer l'économie locale et de promouvoir un développement équilibré. Parmi ses rôles principaux, il y a d'abord le soutien aux PME. En détail, nous leur apportons des soutiens y compris la mise au point des technologies, l'accompagnement post-création d'entreprise, le networking, la production pilote, la formation l'utilisation des équipements. Ensuite, chaque année, nous établissons les stratégies de développement des industries et sociétés à travers l'étude sur l'écosystème des industries locales. Nous élaborons aussi le plan d'exécution. Basé sur ce plan, nous analysons les résultats et établissons le plan de formation pour l'année suivante chaque année. Enfin, le réseau d'innovation. Comme je vous l'ai déjà dit, le technoparc est basé sur la loi sur les cas spéciaux concernant le soutien au technoparc. En Corée, il y a le complexe industriel et le technoparc. Le complexe industriel est une notion générale qui correspond au terme anglais industrial complex. Et le technoparc est un poste B qui soutient principalement la production pilote plutôt que la production de masse. Concrètement, nous aidons à établir des bases et offrons les infrastructures matérielles, les installations et les équipements de production. Nous accompagnons aussi les entreprises en reliant les ressources technologiques et humaines. Sur cette base, nous construisons la plateforme axée sur les projets liés aux logiciels. À travers tous ces efforts, nous jouons le rôle de base globale pour l'innovation. Comme le comité de développement local sous tutelle du bureau du président a décidé d'établir le Technoparc en 1997, tous les neuf ministères qui appartiennent au comité ont donné des idées. L'idée sur l'établissement des bases et le développement des technologies par le ministère de l'Industrie, des nouveaux projets pour l'avenir, les TIC, le logiciel et la société post-industrielle, par le ministère des sciences et des technologies, et la notion sur la formation des ressources humaines et la création des emplois à travers de projets de coopération universitaire par le ministère de l'Éducation. Sur le plan local, comme les gouvernements municipaux et locaux de niveaux inférieurs travaillent en coopération pour le budget, ils planifient ensemble des projets et les proposent comme des projets d'accompagnement des entreprises en considérant le budget. Et les acteurs d'innovation se chargent de conceptualiser ces projets, concrétiser les moyens, de l'accompagnement des entreprises et y participent eux-mêmes sur le terrain. Il y a un administrateur pour le technoparc comme il en fait une fondation. Le conseil d'administration joue le rôle du comité suprême de la prise de décision. Le chef de collectivité locale est chargé de l'administrateur. Pour le cas de Chungnam Technopark, c'est le gouverneur de la province de Chungnam. Le technoparc qui se trouve au plus bas est l'acteur réel de l'accompagnement. Même si nous avons mené de nombreux projets, STP, Science and Technology Park, aucun technoparc n'a totalement changé l'écosystème des industries locales d'un seul coup. Ça fait plus de 20 ans que les technoparcs coréens ont été établis. Cependant, les budgets nationaux et locaux sont toujours dépensés ensemble pour l'établissement des bases et le développement des technologies pour le gouvernement. Comme je vous l'ai déjà dit, le budget doit s'accompagner afin d'assurer la gestion durable des technoparcs. Ensuite, c'est l'organisation du bureau. Ici, il y a deux mots, organique et organisation. Ils sont étroitement liés. Une organisation est une forme organique qui répète la naissance, la disparition, l'expansion et la contraction. Un organe du corps humain se compose de cellules. Et une organisation est composée de bureaux. Le bureau est la plus petite unité d'une organisation. En général, le bureau des technoparks et l'équipe. Ce bureau d'équipe est classifié en deux catégories. Ce sont les cellules définies par fonction et celles définies par secteur. Les cellules définies par fonction sont une forme d'organisation qui pratique littéralement une fonction. Par exemple, la direction du soutien administratif et la direction du développement y appartiennent. Ensuite, les cellules définies par secteur reflètent les caractéristiques des industries. Donc, elles sont nommées comme la direction de projet TIC, automobile, ou écran. En ce qui concerne les types d'organisation du bureau, le plus général, c'est celui d'expert. Il a la structure d'un chef et des membres au-dessous de lui. Si une force opérationnelle et composée, elle peut adopter le type de coordinator ou de peer. Quand une annexe est nouvellement créée, nous y envoyons parfois un chef d'équipe. Le type de coach est souvent introduit pour cette occasion ou quand on reçoit une consultation extérieure. Voici l'organigramme de notre parc. Tout en haut, il y a l'administrateur. J'ai déjà mentionné que le chef du gouvernement municipal s'occupait de l'administrateur. Pour nous, c'est le gouverneur de Tongnam. En tant que comité suprême de la prise de décision, le conseil d'administration doit tenir une réunion par an. Comme c'est ce qui est indiqué dans les statuts, le conseil a l'obligation de tenir au moins une réunion chaque année. Au dessous, il y a le directeur qui gère réellement l'organisation. Chongnam Technopark a de nombreuses équipes, plus de dix. Les cellules de l'élaboration des politiques et du soutien aux sociétés sont les cellules fonctions. Vous pouvez voir que du centre automobile au centre de technologie, des piles secondaires sont des cellules secteurs. Nous gérons le personnel dans l'organigramme en comparant le quota avec le nombre actuel. Nous avons actuellement 175 membres, y compris le directeur, les chefs de cellules, les employés et les intérimaires. C'est un nombre assez considérable. Parmi ces membres, il y a les employés en CDD et les intérimaires envoyés par la préfecture de Chongnam. C'est l'organigramme de Chongbuk Technopark qui est proche de Chongnam. Ils ont aussi les cellules de l'élaboration des politiques et du soutien aux sociétés. Vous vous demandez pourquoi les deux parcs ont les mêmes cellules fonction avec les cellules secteurs différentes. Les cellules, l'élaboration des politiques et du soutien aux sociétés mènent des projets désignés par le gouvernement. C'est la raison pour laquelle non seulement les technoparks de Chungnam et Chungbuk, mais aussi les autres, ont les mêmes cellules pour ces projets. Certes, il y a quelques différences parmi les noms des équipes dans les cellules, mais tous les parcs ont le même nom pour les cellules. Quant à Chungbuk Technopark, ils ont le centre du semi-conducteur et des TIC. Il y a aussi le biocentre et les centres concernant la médecine orientale et la machine à transporter. Ces cellules secteurs sont certainement différentes de celles de Chongnam, parce que chaque région a des couleurs différentes. Avoir des couleurs différentes, ça veut dire que chaque région a sa propre structure industrielle et des ressources différentes selon lesquelles les parcs sont composés. Voici Chungnam Technopark. Ils ont aussi les mêmes cellules fonctions. Comme je vous l'ai déjà dit, il y a une différence dans les cellules secteurs selon la structure industrielle et les ressources de la région. Idem pour Daejeon Technopark. Ils ont aussi les mêmes cellules fonction que les autres. C'est pareil pour Jeju Technopark. En revenant à Jongnam Technopark, je vous ai dit qu'il y avait deux cellules qui exercent des projets désignés par le gouvernement. Ce sont les cellules de l'élaboration des politiques et du soutien aux sociétés, qui sont appelées les départements de base. Elles sont organisées en première étape de la création du parc. En deuxième étape, sur le plan de l'expansion des infrastructures matérielles, les centres de stratégie et de spécialisation sont établis. Ces centres se trouvent dans l'ensemble de Chungnam en tant que postes avancés pour le soutien des entreprises. Mais ils connaissent des changements. Ils se transforment, continuent à mener des projets ou sont créés de nouveau. D'abord, la transition des centres. Le centre média et vidéo, c'est le premier centre de stratégie et de spécialisation. Il a été créé en 2010 et a changé de nom en 2020. Avec sa création, le centre a attiré beaucoup d'attention. À tel point que l'ancien président a visité le centre en le sélectionnant comme un bon exemple de la création des emplois. L'une des entreprises installées au centre avait la technologie de conversion en 3D. Elle a même produit le film classique Titanic en 3D et l'a livré à Hollywood. Mais si vous avez un iPhone, vous pouvez déjà savoir qu'aujourd'hui, on peut réaliser la 4K sur iPhone, ce qui nécessitait une grande caméra autrefois. Par conséquent, la plupart de nos équipements pour la production des vidéos et l'édition audio ont été déjà transférés et détruits. Alors, Qu'est-ce que le centre média et vidéo fait maintenant Il s'est transformé en centre de convergence de Technologie et Fabrication qui associe l'industrie manufacturière avec l'industrie TIC afin de mener des projets correspondants au secteur quaternaire tels que la diffusion et l'expansion des usines intelligentes. Ainsi, le centre a sorti de ses projets existants et s'est transformé en centre de convergence TIC. Ensuite, les projets qui continuent. En ce qui concerne l'industrie automobile, Volvo, marque suédoise, a déclaré que les véhicules équipés d'un moteur à combustion interne n'ont aucun avenir à long terme et qu'ils sont fermement résolus à devenir un constructeur automobile 100% électrique d'ici 2030. GM a aussi montré son intention de ne plus construire et vendre d'ici 2035 des voitures diesel ou essence. Malheureusement, l'industrie automobile de Chongnam a beaucoup accompagné des entreprises de pièces détachées pour les véhicules équipés d'un moteur à combustion interne jusqu'ici. Mais la demande pour ces véhicules ne cesse de diminuer et maintenant arrive l'ère des véhicules hydrogène et électriques. Donc, il faut une rapide transition dans cette industrie. Même si le thème de l'industrie est toujours pareil comme l'automobile, le sujet est changé des véhicules équipés d'un moteur à combustion interne aux véhicules hydrogènes ou électriques. Avec le même titre mais des contenus différents. C'est aussi le cas de l'industrie des écrans. Quand j'étais élève, on a utilisé la TV cathodique qui est grosse. Elle a été changée à la télévision à l'écran LCD. Et aujourd'hui, au-delà de la LCD, elle se transforme encore en télévision à l'écran OLED, qui est courbé ou se plie. Ainsi que les technologies continuent de se changer comme dans les cas de l'automobile et l'écran, nous accompagnons les PME afin de leur permettre de rattraper ces nouvelles technologies et de se lancer dans des projets différents. Néanmoins, il y a toujours des projets qui sont nés de nouveau. À l'arrivée de l'ère de zéro carbone, l'écosystème de l'industrie manufacturière est largement affecté. Quant à la sidérurgie, il y a six techniques principales, telles que la séquestration géologique du carbone. Dans leur processus, il faut une forte puissance de feu pour le traitement thermique, le coulage ou l'usinage plastique. Face à ce problème, certaines idées sont proposées, y compris l'introduction des usines intelligentes pour augmenter l'efficacité et réduire l'émission de carbone. De plus, comme les piles secondaires émergent comme la technologie des piles pour la génération future, nous sommes en cours de préparation de divers projets concernés. Nous proposons aussi les projets de transition des énergies concernant les batteries solaires et l'énergie éolienne au gouvernement. C'est pour votre information. Comme je vous l'ai déjà expliqué, les principales industries diffèrent selon les régions, puisque chaque région a ses propres structures industrielles et ressources. C'est une schématisation des principales industries par région. Il y a trois groupes de technoparcs, premier groupe, deuxième groupe et groupe conduit par le secteur privé. Vous pouvez vous demander quelle est la différence parmi ces groupes? Le premier groupe est sélectionné comme un projet pilote par la comité sous tutelle du président afin de tester la possibilité des technoparks et leurs expansions éventuelles. Il y en a six, y compris Chongnam. Nous avons été sélectionnés après l'adoption de la loi concernée en 1998. Grâce à notre succès, le deuxième groupe est créé et Il y en a dans de différentes régions telles que Busan, Chongbuk, Jeonbuk, Jeonnam, Gangwon, etc. Concernant le troisième groupe conduit par le secteur privé, je prends la ville de Poang comme un exemple où se trouve une grande institution publique de sidérurgie qui s'appelle POSCO. Poang Technopark a été établi avec une partie de son financement investi tant que capitaux privés par POSCO. Au total, il y a trois technoparts conduits par le secteur privé. Pour une organisation, l'un de ses plus grands défis, ce serait la gestion durable. Cette durabilité est même mentionnée sur la Charte des Nations Unies. Et j'ai mis cette phrase comme un titre sur cette page. Celui qui réussit à survivre n'est pas le plus fort, mais celui qui s'adapte au changement. En fait, avant l'apparition des êtres humains, même s'ils étaient plus grands que les éléphants et avaient des dents plus fortes que celles des lions, les dinosaures ont été exterminés à cause du changement climatique dès qu'un astéroïde a heurté la Terre. Ainsi, le changement est le point clé pour l'évolution, ce qui doit absolument être appliqué à la gestion d'une organisation. Comme je vous l'ai déjà dit, une organisation est très similaire à un corps organique. Elle ne cesse de répéter la naissance, la disparition, l'expansion et la contradiction. Concernant la gestion durable, voyons la durée de vie des sociétés américaines les plus révolutionnaires. En 1975, la durée d'une vie moyenne d'une société américaine était de 30 ans. C'est-à-dire qu'avec le succès d'un seul produit, la société peut durer pendant 30 ans. Voici 30 ans après, en 2015. La durée est réduite de la moitié à 15 ans. 5 ans après, en 2020, elle n'est que de 10 ans. Elle ne cesse de diminuer. Maintenant, c'est les meilleures marques internationales. En 2000, les top 15 sont Coca-Cola, Microsoft, Intel, Disney, McDonald's, etc. Voyons 5 ans après, en 2005. Coca-Cola, toujours au premier rang, Microsoft et IBM sont toujours dans les top 15. Mais en bas à droite, vous pouvez voir une liste Top Growing qui montre une croissance remarquable. Par exemple, eBay, Apple et Samsung apparaissent comme un coup de tonnerre. Ensuite, l'année 2010. Google monte en rang. Apple et Google connaissent une croissance de plus de 30%. Et Nokia ne prend pas de rang, toujours. En 2013, Nokia, qui nous rappelle le film Matrix et le portable, disparaît. Elle est reprise par Microsoft. Microsoft maintient toujours la hausse par une innovation désespérée. En 2015, le logo représentant est changé. Ce n'est pas de Coca-Cola, mais d'Apple. Comme nous l'avons vu, il y a beaucoup de cas succès. Mais quand nous posons la question où sont allées toutes les grandes entreprises, nous pouvons y répondre en définissant la faillite en cinq étapes. La première étape, c'est où on a l'orgueil issu du succès en pensant comme je mérite un succès. On persiste excessivement dans une méthode de succès du passé. Je vais rester. Attaché à cette méthode par laquelle j'ai eu du succès, nous pouvons prendre Fordisme comme un exemple. Fordisme est une méthode souvent mentionnée quand on parle du développement technique. C'est un mot représentant la production de masse et le modèle T produit chez Ford a connu un chiffre d'affaires considérable à lui seul. Cependant, le mécanisme de la demande du marché est maintenant changé. Autrefois, on s'est concentré sur le prix de revient et la production de masse. Mais aujourd'hui, les besoins des consommateurs deviennent plus divers et complexes. C'est la raison pour laquelle un seul type de voiture en une couleur unique n'est plus vendu. Face à Fordisme, des ingénieurs chez Ford qui avaient senti des signes d'une crise ont essayé plusieurs fois de convaincre la direction. L'un d'eux a dit que d'autres entreprises ont produit les modèles en prenant en compte les besoins des consommateurs. Mais il a été renvoyé. La direction a toujours persisté dans cette méthode Fordisme. La deuxième étape, c'est où on désire plus sans fin ni principe. RubberMed, l'exemple que je prends pour cette étape, était l'une des entreprises américaines les plus respectées, selon le magazine Fortune. C'est aussi une entreprise qui avait un grand désir pour l'innovation. Elle a donc lancé un nouveau produit par jour pour cet énorme développement de produits un immense budget et ressources humaines ont été investis ce qui est finalement arrivé à des difficultés financières de pire en pire comme elle a négligé la gestion de ses principaux produits elle a fini par être vendue au contraire c'est l'exemple d'un tel un tel à la loi de moore établie par son fondateur gordon moore en fait il y avait un peu de modification dans cette loi qui implique que l'intégration d'un semi-conducteur augmente de deux fois par deux ans. Même si elle a changé et s'est améliorée, ce qui est important, c'est de prévoir la vitesse du développement technologique et de l'appliquer comme une loi. En conséquence, Intel est maintenant devenu une entreprise incomparable. Ainsi, comme nous l'avons vu dans ces deux exemples, On peut devenir RubbleMed si on désire trop sans principe, mais on peut aussi devenir Intel si la principale valeur de l'entreprise allume des passions de ses employés. L'attachement sans raison à la croissance est un facteur qui freine le développement de l'entreprise et cause sa faillite. La troisième étape, c'est où on nie la possibilité des dangers et des risques. Elle s'appelle le biais de confirmation. Il s'agit d'équiper un filtre dans les oreilles. C'est-à-dire que l'on accepte ce qui nous plaît et ignore ce qui ne nous plaît pas. Après cette étape de déni, il y a l'étape où on erre à la recherche du secours et enfin l'étape de fin de l'existence. Voyons l'exemple. Je prends l'exemple de Citiphone. Avant que nous utilisions le téléphone portable présent, il y avait le beeper et le Citiphone. Le Citiphone est un produit qui existe entre le beeper et le portable. C'est un produit assez intéressant. On peut appeler, mais on ne peut pas répondre. De plus, la réception devient un peu mieux quand on va proche de la cabine téléphonique qui est équipée du relais. Plus on s'éloigne, plus la réception devient mauvaise. À cette époque-là, dix vendeurs de ce produit, y compris Korea Telecom, ont investi un budget considérable au marketing et offert de nombreux bénéfices aux consommateurs. Mais le Cityphone n'a duré que moins de cinq mois. Ils ont enfin annulé ce projet en trois ans, en échouant à combler le déficit. Cet échec s'est produit parce qu'ils n'ont pas saisi la situation du marché. Ils entendent seulement ce qui est positif, comme le biais de confirmation. Ils pensent :« Je vais y participer parce que tout le monde le fait. » L'exemple de CitiPhone nous montre que ce type de développement de projet qui n'est pas basé sur les données précises et objectives venues de l'analyse du marché revient à une immense perte. Je vais vous présenter un cas contraire. C'est un cas de relance. Voici la tendance de la densité des piles au lithium ionique de Panasonic. Elle est très similaire à Fordisme de la première période. Les principaux produits de Panasonic étaient la cassette ou le magnétophone. Mais, comme le cas de Fordisme, Panasonic a vu une haute croissance par des produits tels que les piles et lampes vélo. C'était à travers la production de masse, la réduction du prix de revient, etc. Mais à la fin de 2020, l'entreprise a fait un mauvais choix. En ce temps-là, le marché de LCD était en plein boom. Le marché de LCD s'est orienté vers le marché PDP pour la technologie de la prochaine génération. Mais le marché de PDP a été fermé avant d'être ouvert. Donc, Panasonic a perdu 11 milliards de won. La première décision que Panasonic a prise après son échec a été de réduire la proportion de la TV et la radio. La proportion de ces industries ont été diminuées. Cela a produit 5% de bénéfices d'exploitation et le bilan est devenu excédentaire. Depuis, comme un nouveau domaine de business, Panasonic choisit les piles au lithium ionique et continue à augmenter leurs proportions. Heureusement, avec l'expansion du marché de véhicules électriques, la demande pour les piles au lithium ionique grimpe. Grâce à cela, Panasonic devient l'une des premières entreprises du monde dans ce domaine. Elle mène le peloton. Ensuite, la gestion des ressources humaines. Je vous ai dit que le changement était la clé la plus importante dès l'évolution. Donc, je vais vous présenter le modèle de conduite du changement de Cotter. Cotter a proposé ce modèle en définissant huit facteurs de changement après avoir analysé 100 entreprises pendant huit ans. La première étape est le sentiment de risque. En fait, les gens ne changent pas de manière active. C'est ce que l'on dit. Le livre de Cotter nous explique que le changement ne se produit que juste avant que notre vie soit sérieusement menacée. Habituellement, nous avons peur de ce qui est nouveau par instinct et essayons de maintenir le statu quo. Il propose donc le sentiment de risque qui nous provoque à faire quelque chose comme la première étape. La deuxième, c'est la création de l'équipe Innovation. Pour un changement, il faut un groupe interne qui le dirige. Parce qu'il n'y a pas de moyen de minimiser la résistance sans un groupe interne. Il y aura sûrement pas mal de résistance interne puisque les gens n'aiment pas le changement par instinct. Il est donc nécessaire d'organiser l'équipe innovation pour minimiser la résistance interne. Et aucune bonne stratégie ou tactique ne peut être exercée sans vision. Il est donc très important d'établir la vision et la stratégie et de faire une communication efficace pour surmonter la confusion et la méfiance. Ce sont les étapes de préparation. Ensuite, c'est l'exécution. D'abord, il faut attribuer du pouvoir. J'attribue autant de pouvoir à vous qui exercez le changement. Nous devons les encourager à l'affronter et passer à l'action. Il faut aussi surmonter les obstacles organisationnels et émotionnels. Faites attention à ne pas aller trop loin. Nous devons montrer des résultats visibles et de court terme. Cela nous aide à détruire le cynisme dans l'organisation. Ensuite, en maintenant la vitesse des changements, nous nous lançons à un plus grand défi. L'étape suivante, c'est d'implanter les changements comme une culture organisationnelle. En fait, c'est une étape exercée pour réformer les pratiques organisationnelles plutôt que pour implanter une culture. Concernant la gestion des changements, je vous présente quelques cas d'échecs de Chungnam Technopark et leurs leçons. Ils se sont passés de 2008 à 2011. C'était une période où notre organisation s'est tout à coup agrandie. Nous avons donc recruté beaucoup d'employés en CDD et CDI. Chungnam Technopark est une organisation qui paie le coût du personnel avec le budget. Mais après avoir recruté tous ces employés, nous avons découvert que le budget n'était pas suffisant pour couvrir le coût. Nous avons donc exécuté la restructuration en 2012. Voici la représentation de cet incident par le modèle de gestion des changements. Nous avons eu bien sûr le sentiment de risque à cause du budget insuffisant pour le salaire. Donc, nous avons organisé le groupe de travail pour l'innovation RH, équipe innovation. Nous nous sommes dépêchés de trouver des solutions. Notre vision était la gestion durable. Tout le monde était paniqué en s'inquiétant de l'organisation et de son salaire. Notre direction s'est réunie pour trouver des solutions. Nous avons aussi concerté avec le gouvernement et les communautés locales. Ensuite, la restructuration. La restructuration a été exécutée après avoir discuté avec les chefs d'équipe et de division en tenant compte de l'évaluation de la performance des individus. Si nous avons terminé ici, il n'y avait pas de leçon tirée de l'échec. Donc, nous avons obtenu un résultat visible de la réforme du système RH. La classification des groupes professionnels a été introduite et ils ont été divisés en groupes tech, recherche et admin. De plus, en introduisant le quota par niveau de poste, nous avons fixé un objectif de ne plus recruter des employés en CDD. Le plan annuel des RH a été établi et contrôlé. Ensuite, c'est un exemple relativement récent. J'ai choisi le sujet de l'intégrité des activités lucratives. Parce qu'il contient un peu de contenu sur les RRH. Je vais vous expliquer en détail le sujet de l'intégrité des activités lucratives plus tard. Nous couvrons le coût du personnel pour les employés en CDI par les activités lucratives. Mais cela est menacé par une crise. L'expiration de la durée de vie utile des immeubles et équipements approche vite parce qu'ils sont vétustes. Plus la durée approche, plus les dépenses fixes augmentent. Afin de prévenir plus d'augmentation, nous finissons par arrêter les équipements. Donc, nous introduisons la responsabilité financière et le système d'économisation. Cet exemple peut être aussi interprété par le modèle de Cotter. Le sentiment de risque se produit par la situation où le ratio de financement des activités lucratives diminue trois ans d'affilée et le budget ne cesse de se réduire. Face à cela, une équipe innovation est organisée et une vision est établie. Tout le monde vise à gérer la situation de manière intelligente. En ce qui concerne la communication, nous organisons le groupe d'évaluation ICP et le comité de gestion. Et le pouvoir est attribué au bureau des budgets. Enfin, comme je vous l'ai déjà dit, nous introduisons la responsabilité financière et le système d'économisation pour réduire le déficit dû aux sommes non perçues. Le sujet suivant, c'est la taille d'effectifs appropriée. En général, la forme pyramide est la plus souhaitable. Mais avec le temps, elle change à la forme vase qui est grosse. Si la rotation du personnel reste encore faible, elle devient la pyramide inversée. Comme ça fait plus de 20 ans que notre parc a été créé, il y avait beaucoup de personnes qui ont été promues, mais le nombre d'employés qui attendent la promotion augmente aussi. Cela nous conduit à devenir une organisation en forme vase. Nous avons au total 6 niveaux dans la hiérarchie des postes. Le premier niveau est le poste le plus élevé et le sixième est souvent des nouvelles recrues. D'abord, voyons les cas de principales entreprises du pays. Elles ont une hiérarchie assez différente de la nôtre parce que le Technopark est une institution d'essence publique. Avant la réforme, Samsung Electronic avait aussi une hiérarchie multi-étape, avec environ sept niveaux. Mais après la réforme, Carrier Level, le niveau de carrière est très simplifié de 1 à 4. C'est une réforme ayant pour objectif d'établir une culture organisationnelle flexible. Cette hiérarchie dont nous parlons est la combinaison entre la méritocratie et le système basé sur la fonction. Elle implique sans compétences, sans fonction. C'est pareil pour LG Display, de la hiérarchie multi-étapes à la simplification à travers la réforme. Quand on introduit cette hiérarchie, les employés continuent de faire des efforts pour monter à des niveaux supérieurs. Mais elles baissent la chance de promotion parce qu'il y a trop de candidats. Avec la simplification de ces niveaux, les employés finissent par mettre moins d'importance à la promotion. Chez LD, il n'y a que trois promotions, n'est-ce pas LD a changé la direction de la passion des employés de la promotion à la prime pour une bonne performance en utilisant le budget autrefois consacré aux promotions. Elle individualise la prime pour chaque employé sélectionné selon sa performance. C'est le cas de LG Display, idem pour SK, NCNC. Voici la terminologie. De directeur principal à employé, de premier à sixième niveau et de directeur général à membre d'équipe. Comme je vous l'ai déjà dit, la hiérarchie selon le niveau de fonction est la combinaison entre la méritocratie et le système basé sur la fonction. En fait, les entreprises utilisent beaucoup cette hiérarchie. Je vous présente quatre catégories de la hiérarchie, mais il n'y a pas d'unique réponse. On ne peut pas déterminer quelle catégorie est la meilleure pour une organisation. Mais quand on établit un système de récompense, la valeur relative de chaque travail est une information très importante. Beaucoup d'institutions publiques adoptent la hiérarchie selon la fonction parce qu'il est difficile pour elles d'évaluer la valeur de leur travail. Concernant les critères pour le système d'évaluation du personnel, nous les établissons en combinant trois facteurs. Ce sont ICP, indicateur clé de performance, l'évaluation des supérieurs et le retour à 360 degrés. D'abord, l'évaluation des supérieurs est une évaluation par des personnes. C'est pareil pour le retour à 360 degrés. La performance et les résultats d'un employé sont évalués à travers ICP. Voici comment ICP est établi quand les missions de notre fondation sont fixées. La pyramide montre la réaction en chaîne des missions et ICP. Avant de mettre en place ICP, il faut prendre en compte quatre points de vue selon BSC. La vision et la stratégie sont placées au milieu. BSC est le sigle de Balance Scorecard, tableau d'évaluation équilibré en français. Balanced, l'équilibre est vraiment important. L'équilibre des quatre points de vue, clients, finances, processus interne et apprentissage et amélioration est très important. Ici, je prends l'exemple du schéma stratégique BSC d'une entreprise. Il est normal que le chiffre d'affaires et le taux de rentabilité soient importants pour une entreprise. Concernant le point de vue client, il y a le taux de continuation du contrat et la satisfaction sur la qualité de produit. Pour le processus du travail, les moyens pour son amélioration sont mentionnés, y compris la réduction du délai. Et les méthodes de formation pour développer des professionnels compétents sont présentées pour l'apprentissage et l'amélioration. Ce qui regroupe toutes ces choses, c'est le schéma stratégique BSC. Je vous présente ici l'exemple d'ICP de Chungnam Technopark. C'est un tableau récapitulatif qui couvre BSC, les facteurs de succès, et ICP évaluant les résultats. En fait, l'année dernière, nous avons eu 23 indices ICP pour l'évaluation. Mais toutes les 10 divisions ne doivent pas répondre à tous les 23 indices. Elles peuvent choisir en dépendant des caractéristiques de leur travail. Ensuite, elles convertissent leurs points en échelle de maximum de 100 et nous les déposent. Les indices ICP sont composés d'indices quantitatifs et qualitatifs, et nous les adoptons tous les deux. Les ressources humaines sont un sujet difficile à traiter. Howard Business School a donc mené une étude sur le sujet. Le titre c'est ⁇ Avec qui travailler ?⁇ Les chercheurs ont fait une expérience. Dans une entreprise avec 300 employés, ils définissent les fonctions et attribuent aux employés le pouvoir de choisir librement les personnes avec qui travailler. Il compare les deux cas, quand les employés ont le pouvoir de choisir et quand ils n'en ont pas. Dans le premier cas, les employés préfèrent travailler avec celui qui peut leur donner une évaluation positive, mais dans le deuxième cas, ils n'ont pas le choix. Ils partent donc s'entendre avec les employés des autres divisions. On l'explique avec le terme psychologique, le shopping pour le compliment. Face à cette situation, le comportement des employés qui restent se changent en quatre étapes. D'abord, ils sont choqués à la suite d'une trahison. En deuxième étape, ils nient la situation en supposant que le collègue a de bonnes raisons. En troisième étape, ils acceptent la situation en se retournant sur eux-mêmes. Enfin, c'est l'étape de l'amélioration. Dans cette étape, certains acceptent les conseils, mais d'autres pensent à la vengeance. Les derniers pensent à la vengeance quand ils sont donnés, les conseils principalement concentrés sur leurs défauts plutôt que sur leurs points forts. Les gens travaillent pour de divers motifs. Ils doivent se considérer comme un être qui a de la valeur pour travailler. Mais il faut aussi un motif à caractère contraire pour s'améliorer. Maintenant, nous aborderons le sujet de l'embauche et de la taille d'effectifs. Nous adoptons la méthode qui s'appelle l'embauche aveugle. Avant son introduction, les candidats devaient mentionner leur âge, adresse, taille, poids, le nom de leur université et ajouter leur photo sur leur CV. Mais aujourd'hui, ces informations ayant la possibilité de provoquer une discrimination sont toutes enlevées. C'est grâce à l'introduction de l'embauche aveugle. Le processus d'embauche commence par la planification sur la taille ou le niveau d'effectif. Ensuite, il y a l'appel. Dans l'annonce de recrutement, nous mentionnons son délai. L'annonce est souvent publiée sur Internet après la sélection. Nous évaluons des documents et organisons NCS, examen écrit pour évaluer les capacités professionnelles. Il y a aussi l'entretien. Ainsi, on doit passer de multiples étapes pour être recruté. Alors, comment décidons-nous de la taille d'effectif appropriée Nous avons trois types de postes. Ce sont les postes de recherche, technologique et administrative. Pour le poste de recherche, nous recrutons ceux qui ont le diplôme de master ou doctorat et ceux qui ont eu la formation en sciences pour le poste technologique. L'effectif en poste administratif est chargé de l'exploitation ou le soutien administratif. C'est ce que nous classifions. Nous calculons les heures de travail par an des employés existants. C'est-à-dire, nous comptons le temps nécessaire pour chaque tâche. Et en l'appliquant à chaque employé, nous obtenons le résultat ⁇ L'employé a travaillé 2000 heures par an. Alors, nous recrutons les employés pour les heures restantes. Par exemple, chacun de 5 personnes dans une division travaille 2000 heures, mais elles ne doivent travailler que 1800 heures selon la loi du travail. Il y a un surplus de 1000 heures selon laquelle nous pouvons recruter un nouvel employé. Il y a beaucoup d'études sur le modèle standard pour le calcul de quantité de travail. Vous pouvez vous y référer. Maintenant, je vais vous expliquer brièvement les systèmes de rotation du personnel et de développement de carrière. La rotation du personnel est littéralement une rotation périodique du personnel dans les différentes équipes. Ce sont des suggestions internes. Certains donnent leur avis. L'équipe de soutien aux sociétés nécessite un expert généraliste plutôt qu'un spécialiste. D'autres proposent ⁇ Comme nous sommes une institution administrative, il faut connaître les affaires comme les comptes ou les contrats et savoir traiter les documents. ⁇ En résultat, selon les enquêtes annuelles d'opinion des employés, la demande pour la rotation du personnel augmente chaque année. Mais tous les employés ne bénéficient pas de ce système. Nos critères internes indiquent que seuls les employés ayant une annuité de 5 ans ou plus peuvent bénéficier de ce système. Bien sûr, il y a des exceptions. Nous ne pouvons pas permettre aux employés en poste spécial, tels que le responsable de sécurité ou ceux qui ont le certificat de climatisation et réfrigération, d'utiliser le système. Dans ce cas, nous décidons indépendamment de la situation. Nous avons un mauvais souvenir concernant ce système de rotation. C'est l'exemple du centre média. Le centre était tellement compétent qu'il a été chargé de la production de Titanic 3D. Mais nous ne soutenons plus la production des contenus médias parce que le paradigme industriel et technologique d'aujourd'hui a déjà changé. Alors, qu'est-ce qu'ils font maintenant Certains sont allés au poste administratif et d'autres à la gestion des installations. Ce n'était pas un transfert forcé. Ils ont participé au programme de formation pour faire la transition en manager de contrat ou de transfert de technologie. Ensuite, je vais parler du système de développement de carrière, un concept un peu contraire à la rotation du personnel. C'est un système qui permet de développer les carrières et ainsi former les employés par la gestion des compétences et des résultats. En fait, nous pensons que les deux systèmes doivent être utilisés ensemble. Voici les types des humains représentés par l'alphabet. Le type I est un expert qui continue à creuser une seule piste. Le type T est quelqu'un qui maîtrise un domaine et continue à faire d'autres défis. Il est donc capable de communiquer avec les autres de manière efficace. On l'appelle le type T parce qu'il élargit ses compétences en commençant à partir d'un domaine. Enfin, le type Pi. En fait, c'est une nouvelle chose pour nous aussi. C'est un super expert qui maîtrise au moins deux domaines. On l'appelle le type Pi parce que l'on peut créer de nouveaux domaines quand on converge des technologies telles que l'Internet des objets, 5G, la production participative, ou l'intelligence artificielle. Je prends un exemple. C'est le livre de Gary Hamel, Leading the Revolution. Le titre est traduit Abeille et guérilla en coréen. L'auteur explique que les gens en type abeille travaillent de même niveau toute leur vie, ainsi que le type guérilla se distingue. Selon lui, c'est le type guérilla qui renverse l'organisation. Il prend Sony, entreprise japonaise, comme un exemple. Dans les années 90, Sony a brillé dans les domaines d'électronique, grand public tels que la télévision ou le lecteur de cassettes. Mais elle a été tout d'un coup touchée par la stagnation industrielle. Ken, employé ordinaire chez Sony, a visité Nintendo, son entreprise concurrente. Il a convaincu la haute direction de Nintendo d'utiliser la puce sonore numérique de Sony dans sa première génération console de jeux vidéo. Les cadres de Sony l'ont réprimandé. Mais il a répondu qu'il allait quitter s'il n'acceptait pas son projet et son patron a pris parti pour lui. C'est ainsi qu'est née PlayStation en 1994. Le champ de Sony a été totalement changé. Le chiffre d'affaires produit par PlayStation est beaucoup plus élevé que celui par l'électronique grand public. Le système que je vous présente par la suite, c'est Dual Ladder. Nous avons beaucoup d'employés en poste technologique, soit plus de 70% de l'effectif total. Mais comme ils ont travaillé pendant un certain temps, il leur arrive à un moment où ils doivent prendre une décision. Ils tombent dans un dilemme où ils doivent choisir entre la piste de rester en tant qu'expert technologique et celle de recommencer en tant que gérant parce que le cycle du changement technologique est trop rapide. Comparé au poste administratif ou de recherche, il arrive au pic de la carrière plus vite. En conséquence, cela les conduit au dilemme de carrière. C'est la raison pour laquelle nous leur donnons une opportunité de prendre le meilleur choix pour développer leur carrière en tant que gérant. Nous leur offrons aussi la consultation et la formation pour l'amélioration de leurs compétences ou la transition de leur carrière. En fait, nous ne savons pas si la satisfaction des employés est élevée. Mais en tenant compte de la possibilité pour l'établissement de former des experts et pour les employés de s'accomplir, le système est absolument nécessaire pour l'organisation de recherches avec un grand nombre de personnels formés en sciences. J'ai ajouté cette note sur la raison de la proportion élevée du personnel formé en sciences pour votre information. Vous savez que nous sommes un technoparc. Le nom indique que nous sommes liés aux technologies. Donc, en général, nous nous concentrons sur les cinq étapes sur TLC qui est composé de neuf étapes. Pour cela, il faut forcément le personnel formé en sciences. Si une PME propose un projet RD conjoint, nous examinons son potentiel un par un. Je vais vous montrer quelques exemples. Quanjin Mechanics développe le module de porte légère et silencieuse à haute sensibilité. Nous aidons la fabrication de gabarits. Nous évaluons aussi la performance de ces contrôleurs. NS Shinsong développe l'onduleur de Smart Grid et de Microgrid. Nous offrons l'analyse technologique et le soutien concernant son brevet quand elle construit le module ISS. Quant à l'analyse et la certification, nous menons un processus systématique qui s'appelle COLAS pour ouvrir l'analyse et le certificat valable dans 58 pays. Certains de nos centres sont chargés de l'organisation de COLAS. D'autres dirigent le centre d'analyse des engrais basé sur la physique chimie. Et le centre de certification de la qualité de logiciel. Nous offrons la fabrication du prototype pour tous puisque c'est le soutien le plus demandé par les entreprises. Voici des exemples. Le premier, ce sont les cas où nous fabriquons les produits consacrés à l'exportation dans le but de viser le marché extérieur. Par exemple, faire un design des sièges pour obtenir la marque CCC nécessaire pour l'exportation vers la Chine ou fabriquer les matériaux ayant besoin de la certification ULC pour l'exportation. Le deuxième, ce sont les cas d'utiliser les ressources de la région, telles que les produits agroalimentaires ou les ressources touristiques, pour lancer les produits B2C. Et le troisième, ce sont des projets de convergence. Nous proposons l'idée de convergence entre l'industrie manufacturière et le logiciel. Dans le cas de Yuriminfo, le traitement de surface des accessoires automobiles produit une immense quantité de gaz toxiques. Bien sûr, c'est nuisible à la santé. De plus, il est difficile de traiter la surface de manière uniforme et régulière quand il est couvert de poussière. Donc, en introduisant le système automatique, nous aidons à baisser le taux de défectuosité et à rendre le lieu de travail inoffensif pour la santé. C'est la fin de ma présentation sur la structure opérationnelle des technoparts coréens sur le plan des RH et de l'organisation. Merci.